Salut à tous, c'est Zoom 74. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer vite fait un bug. Parce que vous inquiétez pas, je suis encore en entraînement. Je voulais vous montrer juste un bug sympa que j'ai trouvé. Je crois que je suis le seul à avoir trouvé. Mais il est inutile, hein. Franchement, je vais vous dire la vérité. Il est inutile, mais il est drôle à faire. Voilà. Et après, je vais faire quelques combats amicaux pour que la vidéo elle dure un petit peu quand même. Et au fait, joyeux Noël. Voilà. Attendez, Ren. Prenez une troupe avant que ça se termine et vous pouvez la bouger. Par exemple, j'ai pris les archers. Allez, je peux la bouger encore. Si vous restez les deux appuyés, allez. Je sais pas si vous voyez, ouais, je m'en fous. Donc c'est trop bien. Et après, ça disparaît si vous lâchez. Voilà. Et on va faire, je vais faire un combat amical contre lui. Je l'avais prévenu. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est un niveau 9, hein, mon pote. Il est très actif. On va essayer de le battre. Voilà, c'est mon deck, je vais vous présenter à la fin. Je pense que c'est un peu la base des decks. Je veux dire, vous connaissez PK Sorcier. Mais je vais vous dire ce que j'ai mis aussi, vous verrez de toute façon là. Mais... mettre un zap, non, il a pas de zap, ça va, il a pas de flèche, pas boule de feu, le bâtard. Penser franchement, il est dans la merde. Par contre, ah, Valkyrie, bien joué, mais t'es quand même, t'as quand même perdu ta tour. C'est quoi, pire, je vais détruire comme ça, je fais jamais ça, mais voilà. Comme ça, je détruis facile. Il me fait pas chier avec sa fournaise. Ouais, voilà, c'est bon. Ça. Ces trucs, ils me saoulent pas. Ça va, j'ai bien défendu. Ouais, là je voulais lancer dire, quand je dis maintenant, c'est-à-dire le temps que la vidéo se mette. Merde, oh, j'ai fait de la merde. Ah, désolé les gens, j'ai fait grave de la merde. J'ai oublié qu'il y avait sa Valkyrie. Ouais les gens, là je voulais dire le temps que la vidéo se met, donc ça met à peu près 1 heure. J'aurais déjà lancé un live. Là je serais peut-être en plein live. Au moment où la vidéo va sortir. Je vais regarder pile quand elle sort. Bah ouais, j'aurais fait peut-être un live. Peut-être un live. Je suis pas sûr, je vais peut-être en faire un là. J'en aurais peut-être fait un, hein, puisque la vidéo va pas sortir en même temps que je parle. Voilà. Pas logique. Je vous parle, mais je fais un peu de la merde. J'avais bien géré avant, mais je suis plus concentré. Il saoule. Ça va, qui va pas me faire chier. Oh non, mais là, il saoule. Oh, je vous jure, il saoule. What? La fournaise, pourquoi elle a rien? J'ai pas vu ce qu'ils ont fait, les esprits de feu. Pourquoi ils ont pas pété? Je sais pas, je regarderai tout ça. J'ai pas compris. Oh, vraiment, mon deck, je l'adore. Il est vraiment trop bien. Je perds jamais. Franchement, vraiment, franchement, je perds jamais. Mon deck, il est vraiment trop cool. Je perds jamais. Tu vois, toutes les fois où je vous montrer vite fait mon. Je dire. Entre guillemets, mes. Non. Ouais, mes attaques et mes défenses. Je veux dire la vérité. En fait, toutes les games que j'ai perdu, je les ai fait exprès. Enfin, c'est pour de redescendre pour le coffre de clan. Je les ai gagnés, perdu pour pas remonter à Rennes 6. Là, je suis monté à Rennes 6 parce que je veux juste les traiteurs d'élixir. Parce que quand mon pote viendra chez moi, on fera des records de troupes, mettre le plus de troupes possible. Et là, je vais redescendre à Rennes 5 demain matin. Allez, j'ai tout gagné, mais je dis les games que j'ai perdu, je les ai fait exprès. Hein. Allez, toutes les games que j'ai perdues, c'est 3 étoiles d'habitude. Les 3 étoiles. 3 étoiles, parce que je les laisse gagner. Si je les laisserais pas gagner, j'aurais 2. Il y aurait 2-1, tu vois. Ah oui, à un moment, il y a une défaite où il a eu 2. J'en dis, j'ai eu 1, parce que c'était pour mon coffre à couronne, voilà. Bon, peu importe. Et oui, je vous réserve un pack opening. Là, j'ai mon géant, coffre géant, ça. C'est d'habitude, c'est dans. Quand j'ai mon coffre de clan. On est que 7, donc on n'aura pas 10, je suis deg. Et bah,
quand on aura fini, dire quand ce sera la fin, et bah j'ouvrirai tout ça avec deux coffres gratuits, un coffre à couronne, ça et ça. Voilà, je crois pas qu'opening. J'ai une dernière attaque et après je vous laisse là avec la vidéo. Fais la revanche. Après, s'il gagne, peut-être que je fais la belle, ouais. On le sent mal. Il pète les couilles, sérieux, vraiment, il pète les couilles, c'est un truc de fou. Là, je suis grave dans la merde. Là, je suis grave dans la merde. Mais vous pouvez pas savoir comme je suis dans la merde, là, par contre. On va dire, ça va. J'ai bien géré ma défense, mais regardez. Regardez, ce trou du cul, il est tout seul. Pour le terme, mais là, putain, il est tout seul, mon PK. Bah oui, il va sur la fournaise. Génial! Qu'est-ce qu'on s'amuse. J'aime bien quand mon PK, tu vois, il se barre directement de l'endroit. Genre, il a une tour, et là, il se retrouve à l'autre tour. Donc, il perd tous ses points de vie. Il sert à rien. C'est quoi? C'est rien défendre un barbare, mais je vais me débarrasser de mes troupes. Ah, mais il saoule avec sa fournaise, c'est un truc de fou qu'il saoule. Elle va me remettre le même combo. Du prince, voilà, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi les gens? J'avais dit quoi? Regardez, en plus après. Ah, il le sait, je me l'arme squelette. Moi aussi, je le sais qu'il va mettre les esprits de feu, mais. Il va mettre boule de feu. Je connais tout. C'est qu'il va mettre boule de feu là, donc j'attends un peu pour mon sorcier glace. Il va aller sur la fournaise, mais mon PK est con. Et voilà, en plus il y a quoi? Les barbares. Donc mon PK se prend la masse de dégâts. Je sais pas si vous entendez le bruit derrière, ah les gens! Je l'ai détruit une tour là. Mais qu'elle est morte, génial. Allez, tape une fois, tape une fois. Allez, touche pas Musquela, s'il te plaît, touche pas. Les gens. Je vais me prendre la blinde de dégâts. Ah non, c'est bon, le prince il est mort, ça va. Je devrais gagner sans souci d'habitude. Si je défends bien comme une grosse pute, ça devrait le faire. Et ouais, ça devrait le faire facile, les gens. Mettre un petit canon et voilà. Voilà. Bah, ça fait 8 minutes de vidéo déjà, les gens. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et à plus tout le monde. Peace.